Oui, logiquement, nous avons 4 spectacles qui sont annoncés. Donc le premier est en mars, le 9 mars d'ailleurs. Et puis, donc là, ce sera un spectacle en première partie. Alain, c'est toi qui travailles. Donc... Je te laisse dire, c'est pas si bien. En première partie, ce sera... On a fait cette saison, je crois. Oui, au mois d'octobre. Au mois d'octobre, les 40 ans ou 50 ans de succès. Vous aviez eu des tubes des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Ça avait eu beaucoup de succès, alors on a pensé faire un volume 2. Voilà, ouais. Et ça va bouger, parce que là, le choix des chansons... Vous savez ce qu'il a on fait mettre... On va prendre un coup de jeune. Il a fait mettre au programme « Bonjour pour chanter ça ». Ah, c'est Ricky. Ah, ta-da-da-da-da-da. Vous n'allez pas rester sur votre siège. On va faire un concours dans la salle et les 5 personnes qui dansent le mieux viendront sur scène. Voilà, d'accord. En deuxième partie, nous aurons et nous accueillerons à nouveau avec un immense plaisir, parce que c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de temps, mais là, il vient. Ce sera le chanteur trompettiste Bruno Djaran. Bruno Djaran. Notre ami français qui a beaucoup de succès. Énormément, énormément. Et puis nous passerons déjà au mois de mai. Au mois de mai, eh bien, nous aurons quand même le show, le spectacle Hommage à Andy Cordy, qui sera présenté par une artiste française, validée d'ailleurs par la famille Andy Cordy également. C'est Rosa chante Andy Cordy, mais c'est un personnage. Et vous en aurez de toutes les couleurs, parce que ce sera le titre de la chanson. Et en deuxième partie, eh bien, j'ai un trou de mémoire. Ah non, ça y est, je sais. Voilà, ce sera un garçon que j'ai rencontré en Espagne au mois de septembre, lors d'un voyage, et quand je l'ai entendu chanter, vraiment, vous fermez les yeux, vous croyez entendre Michel Sardou. Et donc ce sera Éric Marguerite qui viendra nous rejoindre pour la première fois de la nouveauté, donc pour le mois de mai, et après... Et après, on enchaîne en octobre, si ma mémoire est bonne, avec les grands succès de l'Eurovision. Plein de chansons qui sont devenues des tubes maintenant. Tout à fait. France Gall, Céline Dion, il y a tout un répertoire. Ah oui, on va des tubes connus et des tubes que vous n'avez pas l'habitude d'entendre en français. On a trouvé des versions françaises. Et puis, il y aura un orchestre amplifié. Ah oui, un grand puisque orchestre. Nous devrons avancer un petit peu, puisque nous aurons un plus grand orchestre encore avec des violons. Donc, pour se replonger dans l'époque de l'Eurovision et donc chanter, fredonner tous les refrains, parce que toutes les chansons, vous les connaissez. Donc, voilà, là, ce sera un spectacle en 2 parties. Et en décembre, et là, nous allons terminer l'année. On termine en beauté avec Dave en décembre, qui viendra chanter à Charleroi. Voilà. Ce sera en première partie le Jack Show, Plume, Strass et Paillettes et Dave en invité vedette pour clôturer cette saison 2023. Ça vous plaît? Alors, n'oubliez pas de renouveler vite votre abonnement. Fin janvier, je crois, vous pourrez vous présenter au service des aînés pour déjà renouveler votre abonnement. Et si vous avez d'autres, vous voyez, la salle est grande et immense. Si vous avez des voisins et voisines, parce que Philippe, on me pose toujours la question, les spectacles ne sont réservés qu'aux personnes de Charleroi. Mais non, c'est ouvert à tout le monde. Vous habitez Pont-à-Sel, vous habitez Mons, vous avez envie de venir, vous pouvez le dire à votre voisin et voisine. Il ne faut pas nécessairement non plus avoir 60 ans. Voilà, c'est ouvert à tous. C'est juste moins cher quand on habite Charleroi, parce que c'est un service des aînés de la ville de Charleroi. C'est normal, ça. Donc, il n'y a pas une grosse affaire. Ça reste un bon d'argent. Ah ben oui, ça reste quand même une saison à ce tarif-là, parce que, faut quand même vous dire une chose, c'est que même si tous les prix évoluent, Philippe n'a pas voulu changer un cent du prix des abonnements et du prix des places. Et ça, Philippe, un immense merci pour les aînés. C'est un travail d'équipe où on a discuté ensemble et je pensais que c'était pas le moment, vu tout ce qui se passe, d'augmenter les prix. Mais les spectacles seront évidemment toujours de qualité. J'en profite tant que j'ai la parole pour remercier les musiciens. Tu as présenté les chanteurs, remercier les chanteurs, les personnes dans les coulisses, les personnes à la technique et encore une fois tout le personnel du CME, du service des seniors et vous. Vous deux, les Alains, pour le travail que vous faites, encore merci à vous. Et une belle après-midi à tout le monde. Je vais rejoindre le premier rang. D'accord. Laisser la place au spectacle. Merci beaucoup, Philippe. On t'applaudit très, très fort. Merci. Je vais rejoindre la télévision. Voilà. Voilà. C'est lancé. Oui, voilà, ça veut dire. Voilà. Bon. Alors, oui, nous voici la rue Noël. La rue Noël, ça fait des tas d'années que nous faisons ça tous les 2 ans. Tous les 2 ans, c'est la petite version, et puis les 4 ans, c'est la grande version. Cette année, c'est la grande, mais forcément, les chants de Noël, les chants les plus connus, ce sont toujours les mêmes. Donc on essaie de diversifier en les donnant
à d'autres interprètes pour changer. Et on inclut là-dedans quelques nouveautés, quelques morceaux qu'on n'a jamais donnés. Hein, comme ça, il y a les incontournables et puis il y en a d'autres. Les chansons de Noël, bien sûr, ici, ce sont en général des versions françaises. Il y en a d'autres, hein, mais c'est les versions françaises. Et c'est à savoir que dans les pays francophones, c'est surtout le Canada qui chante beaucoup en français. Tous les artistes là-bas enregistrent leur album. Chez nous, c'était la mode il y a 30 ans, 20 ans peut-être. C'est moins aujourd'hui, ça existe encore, mais c'est moins fréquent. Donc on a puisé un petit peu dans le répertoire des artistes canadiens, le répertoire des artistes français et le répertoire, bien sûr, international. Alors, là, ça amène la première chanson, je peux le dire ? Oui, je te laisse travailler. Le premier titre, et je ne me trompe pas dans la formulation du titre, c'est « Danser autour du vert sapin ». On dit non, du sapin vert. Du sapin vert, mais non, c'est « vert sapin », le titre est bien ça. Et alors, il y a une version anglaise qui est très connue, c'était Brenda Lee qui l'avait enregistrée. En français, je ne vais pas vous dire chaque fois les titres, je peux vous donner les noms, mais ce sont souvent les mêmes. Tous les artistes de la génération... Il y a deux générations enregistrées les chansons. Les Sœurs Étienne et tous ces gens-là, Tino Rossi, j'en passais des meilleurs. Oh, c'était les passées. Oui, mais ils avaient tous leurs chansons de Noël. Oui, mais là, ils sont jeunes. Hein, donc... Oui, maintenant, il y en a encore. Il y a Rock Voisine, il y a Marie Myriam, il y en a d'autres. Vous allez entendre tout cela. Bien, alors. Alors, notre première artiste nous vient de Liège. Oui. C'est Manon Neuens que nous accueillons. Je ne sais pas de quel côté elle va rentrer. Voilà. Bonjour. Bonjour Manon. Bonjour au public parce que bien c'est vu. Ça va Manon ? Très bien, merci. Allez, en forme. Toujours. Bon, alors le titre. Autour du vert sapin. Autour du vert sapin, c'est à toi. Oui, là maintenant, pour moi, on lui a dit, tu t'es, tu ne dis rien. Bon, eh bien, je suis content de te voir. On t'applaudit très très fort avec ces charmantes demoiselles. Merci, à tout à l'heure. Son manteau, rouge et blanc, pour ton très beau, porté par le vent. Il descendra par la cheminée, petit garçon, il est dans ta tête se coucher. Thank you.
Tout à l'heure, passé près d'eux et ils sont sortis.
ils ont préparé soit des 25 euros ou 50 euros. Ça, 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 c'est... Avec, c'est des 100 euros. Avec la crise actuelle, ils vont donner un bouton. Vous êtes désagréable toujours, hein, lui. Bon, allez, Philippe, bienvenue donc dans cette salle, bienvenue avec ce public merveilleux. Et donc, pour chanter ce Noël blanc, c'est à toi. Thank you.
Une chanson tendre. Oui, une chanson douce, moi j'aime mieux. Une chanson douce. Une chanson tu connais celle-là? Une chanson, pardon. Oui, tu la connais celle-là? Une chanson tendre, oui, dans Salvador, mais c'est pas celle-là. Ah non, moi c'est... On m'emmène sur un piège, là. Comment? Non, ouais. Pas du tout. Une chanson douce... Ah mais oui, elle est douce, elle n'est pas tendre. Ben tu vois, tu le reconnais. Allez, ah, c'est à votre tour. En suçant mon pouce... On la connaît, elle n'est pas privée, mais ça va. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Comme la mousse des bois. Merci Thibault. Ah, c'est joli, ça fait joli, c'est une salle qui chante. Oui, oui, c'est merveilleux. Oui, je... Voilà, on entend d'ici. Oui, on s'est rendu compte au spectacle précédent, on vous entend chanter, c'est magnifique. C'est merveilleux. Et même le balcon, hein, donc ne vous inquiétez pas. Alors, revenons oui. Au bouton. La chanson, la chanson que nous vous proposons, elle a été présentée dans nos revues il y a longtemps par un artiste qui nous accompagnait souvent, qui était Lorenzo. Oui. Il avait fait une très belle interprétation de cette chanson de Petula Clark, qui est une chanson aussi chantée par des hommes, puisque Dario Moreno l'a enregistrée. C'est les débuts de Petula et c'est Pardon pour notre amour. Oui, Pardon pour notre amour. Alors, oui, qui va nous interpréter cette chanson, Pardon pour notre amour? Je parie que personne ne l'a deviné. Non. Nous avons des très belles voix au cœur. Oui. Et nous avons découvert une artiste exceptionnelle. Oui. Et c'est en la personne de... Elle est partie autre part. Non, non, elle est là. Ah, ma petite Micha. Allez, viens, Micha. Voilà, on peut l'applaudir. Parce que nous ne savons pas qu'au-delà de faire si merveilleusement les cœurs, tu chantais individuellement également. Et donc, et oui, mais écoute, c'est merveilleux. Nous avons apprécié ta voix formidable. Et là maintenant, bien, tu et vois, on ne le savait pas, j'ai un petit scoop, je peux le dire? Oui. Elle nous a révélé un petit scoop, je le dis parce que c'est quand même quelque chose de pas évident. Et je vous assure que quand on m'a proposé de chanter pour nous, on ne le savait pas. Elle a une très belle vidéo, c'est pas ta frime, il y a quelques années, et elle chantait en duo avec Rock Voisine. Oui. Je suis que c'est vrai, elle a la vidéo. Avec Rock Voisine en duo, c'est merveilleux, Micha. Et là aujourd'hui, tu es à côté, on ne sort pas Rock Voisine, mais on peut l'applaudir parce que c'est une performance. C'est pas grave, j'ai quand même le très beau voisin. Voilà, et ben voilà, tu n'as qu'aujourd'hui que Léa à tes côtés. Allez, donc maintenant cette belle chanson, on te la laisse. Merci beaucoup. Quand il est dans mes doigts, pardon, Santa Maria.
bonhomme de neige. On va à notre place alors. Allez, oui, on va faire de la place parce qu'il y a du monde. Oui, il y a du monde. C'est parti. Song.
tears. I give it to someone, give it to someone special. C'est un morceau qui est surtout, c'est devenu un hymne dans les pays germanophones. Eux l'interprètent énormément. Il faut savoir que ce morceau a été composé en 1918 et qu'il a été interprété pour la première fois dans une église tout près de Salzbourg. Mais elle a fait le tour du monde et tout le monde s'en est approprié. Ça s'appelle « Douce nuit, sainte nuit ». Ah, vous connaissez. Eh bien écoutez, vous allez pouvoir chanter et accompagner Roberto de Bruyn pour cette magnifique chanson. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, Roberto. Vous allez bien? Oui, et toi? Bah écoutez, une belle après-midi dans un bel endroit que je ne connaissais pas encore. Ah, voilà, tu vois, on en découvre toujours. Tous les jours, hein, c'est mieux qu'à Lille, hein. Oui, oui, c'est vrai. Non, 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 ça aussi. Ils ont donné ça, effectivement. Douce nuit, sainte nuit. C'est la route qui vit.
Elle se sent un peu de fière, l'humeur mélancolique. Il marche tout droit vers la gare, le moral pas bien beau. Il promène un chien bizarre qui fait fuir les oiseaux. Elle a peut-être 30 ans, ne sait plus où elle est. On perd la notion du temps. Peut-être là ton planqué couleront tout à l'heure. Il était moins compliqué pour le cœur. Quand on est seul, on descend.
1948, et puis petit à petit, tout le monde a chanté. Les Andrew Sisters, Frank Sinatra, à l'heure actuelle, Rock Vazin, encore une fois, Juliette Reno, tout le monde. Oui. C'est une très belle mélodie. Oui. Promenade en traîneau. Ah, chouette alors. Ah, c'est ça, les pochettes. Mais... j'avais demandé des chevaux, mais sur des appareils. On m'a envoyé des baudets. Vous pas de chevaux, vous avez deux baudets. Ouais. M'attendais qu'il allait sortir. Bon, alors... Très de plaisanterie, nous allons accueillir à nouveau ce jeune et sympathique garçon. Philippe Lombé vient nous rejoindre. Donc, on ne va pas faire les chevaux, ni les baudets, ni rien. D'accord ? Voilà, on n'avait pas de charge. Bon. Voilà. On t'a gâté, on t'a posé un morceau comme ça. Voilà. C'est vrai. T'avais jamais chanté ça ? En anglais. Tu connaissais, tu connaissais en anglais, oui. Oui, voilà. Je connaissais en anglais. Mais oui, chez nous, voilà, on impose toujours dans le français. C'est pour la version canadienne de Rock Voisine. Non. C'était pas connu. T'inquiète pas, la prochaine fois, tu chanteras japonais. Oui, d'accord. Je ne suis pas là, finalement. Non, allez, on te laisse tranquille et interprète bien cette chanson. Merci.
J'ai le cœur amoureux et le bout du lit froid. Quel joli traîneau avec ses charmants sourires. Allez, venez saluer, c'est pour vous. C'est pour vous, ces applaudissements. Et après ça,
C'est pas évident, mais le pensionné va chanter une chanson. Et la chanson, c'est une continuité. Une continuité, oui. C'est que quoi qu'il arrive, c'est pas une chanson de Noël, mais c'est une chanson, c'est un hymne quelque part. C'est une philosophie, il faut prendre la vie comme elle vient. Quoi qu'il arrive. Oui, on n'a pas le choix. Et on y va. Et ça pêche. Joyeux Noël, Noël joyeux.
c'est le seul jour de la vie où elle faisait un peu de courrier. Et pour vous les flatteurs, avec la bouche en cœur, et vos calendriers, on a vendu le billet. Et là aujourd'hui, il est parmi nous pour vous interpréter, vous chanter. Nous avons voulu vraiment faire appel à lui dans cette revue de Noël parce que nous savons que vous l'aimez beaucoup, vous l'appréciez. Il est de chez nous aussi. C'est une superbe voix, c'est un personnage. Un très grand talent, voilà, je n'en connais pas deux comme lui. Et bien sûr, bon, c'est son côté un peu rocker, c'est une belle voix, un beau personnage. Puis le nom qu'il évoque, c'est... Bien sûr, puisqu'on va se replonger dans les années Elvis. Elvis Presley. Oh, si vous avez envie de danser le rock, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Donc, assez de bavardage, on va l'accueillir comme il se doit. Monsieur Franz Govart. Bonjour Franz. Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci. On voulait inviter une personnalité de chez nous pour terminer cette année, pour
terminer aussi une vague d'un certain style de spectacle, à savoir que la féerie de Noël des Alains, nous les avons traînés pendant des années. Et donc, cette féerie, c'est notre dernière féerie. Et donc, on voulait quand même mettre des artistes régionaux, mais surtout du local. Et donc, il fallait qu'une très belle voix, un homme, un pur, un dur, quelqu'un qui fasse... Ça va continuer, un vrai tatoué. Quelqu'un qui se démène et qui offre sa voix et son talent au public réuni dans cette salle. Il n'y avait que toi qui pouvais le faire. Et donc, nous sommes heureux de t'accueillir. Et maintenant, nous te laissons le plateau. Avant que vous ne quittiez la salle, il est logique que, comme c'est votre dernière, sachez que je suis très fier d'être ici, déjà aujourd'hui, de représenter la musique américaine, vais-je dire. Et merci pour tout ce que vous avez fait pendant ces années et tout ce que vous ferez encore ces prochaines années. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci. Merci, merci beaucoup. C'est à toi, la scène t'appartient. À tout à l'heure. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Alors, on va fêter Noël un petit peu à l'américaine, si vous voulez. Et ça donne à peu près ça. Est-ce qu'on a déjà applaudi les musiciens? Je voudrais les applaudir, s'il vous plaît. Now I'm living in
kiss your lips. There's no tenderness like before in your fingertips. You try it hard not to show it, 'cause baby, baby, I know it. You lost that love feeling. Oh, that love feeling. You lost that love feeling. Now it's gone, gone, gone. Celle-là, il m'a dit de toute façon, celle-là, tu n'as pas le choix, tu es obligé de la chanter. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. C'est une magnifique chanson que vous connaissez, chantée en français par Dalida, je pense. À qui ? Et en français, je ne sais pas qui la chante, mais c'est également à qui ? Alors en anglais, on a de la chance, ça s'intitule Heard. Je demande d'être attentif, ça donne ça.
musiciens qui vous accompagnent aujourd'hui. Merci beaucoup, les amis. Et à toi, Franz Govast, qu'on applaudit bien fort. Quelle ambiance, Franz. Merci d'être venu et que tout aille bien. On t'applaudit, on te reçoit très très fort. À bientôt. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my home, more than you could ever know. Make my wish come true. Dieu descendit jusqu'à nous.
mascotte avec Guido. Voilà, c'est Poupette et Paillettes. Mais aujourd'hui, on n'a pas mis de paillettes. Hein. Voilà. Bon, alors, nous sommes arrivés au terme de ce spectacle, vous l'aurez compris. Et donc, je vais demander de remercier, d'applaudir le kiosque aux chansons. De remercier mes collègues à la technique. Alors, Nicolas, Sam et Thierry, merci pour votre travail. Je vais demander de vous écarter pour qu'on puisse également applaudir le ballet de Madame Annie Savouret. Et où est-elle, Annie? Voilà, dirigée de main de maître par Madame Annie Savouret. Bravo, félicitations. C'était magnifique. Merci beaucoup. Et grand garçon, tu viendras encore? Tu viendras encore? Oui? Oh, oui. Tu t'es bien amusé. Elles sont sympas, les filles. D'accord. Eh oui, c'est une petite coqueluche. Bah, normal, un petit coq incident. Bon, d'accord. T'en sais quelque chose, hein, toi? Bon, alors, avec nous, cet après-midi, nous avions la compagnie de Misha et June. Venez, saluez. Pour vos belles interprétations de cet après-midi, vos belles chansons, vos merveilleuses voix. Merci à vous, les filles. Merci. Un plaisir. Alors, également avec nous, Manon Neuyens. Eh oui, il faut tenir ça. Tu t'imagines, si, hein, qu'est-ce qu'elle avait comme mal, hein? Manon Donzé. Alors, le petit nouveau, Philippe Lombé. Je ne vais pas dire un nouveau, mais enfin, une belle voix. Roberto Le Breuil. Qu'est des gamins. Jean-Claude Sferrugia. Oh. Mais non. D'accord, ok. On voit que c'est la fin du programme. Hein. Bon. Notre artiste de Charleroi, Jacqueline Ruault. Notre invité du jour, Franz Gobart. Et celui qui a préparé, bien sûr, avec minutie ce spectacle, c'est bien sûr mon inséparable, mon chéri, mon petit cœur, c'est Alain Gilson. Merci. Avec Poupette. Avec Poupette. Elle a peur des applaudissements. Sans oublier, bien sûr, l'incontournable, l'indétrônable. Alain Vanek, à la présentation et au chant. Merci à vous. On vous aime. Veux-tu que nous soyons de... Au ciel.
C'est parti.